droits de l'homme. Big Love. Papa, maman, tu es rentré? Va vite faire tes devoirs, mon chéri. Ah ouais, les devoirs, toujours les devoirs. J'ai même pas 5 minutes pour... Jouer. Jésus, espèce de cacarotte tout pourri, t'es complètement fêlé du bancal. Je vais te faire bouffer ta morve des pieds. Qu'est-ce qui m'arrive? Papa? Non, tu t'es cassé la voix, Titeuf. Ça ira mieux dans un jour ou deux, je pense. Bonne réponse. Bon. Ta nouvelle voix, elle est méga démente. Super over méga démente, tu veux dire? T'as crié sur Zizi et hop. Ouais, et hop, c'est arrivé comme ça, d'un coup. Mortel. Vas-y, mon petit doudou. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. Fais ta petite crotte dans le caniveau, mon mignon. C'est trop drôle. Oh, monsieur, mon petit joli bébé à moi, ça a dada, gazoua, ma youyou, gaga. Oh là là, mais c'est un joli petit bébé à moi, ça a dada, gaga, 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 Fais gaffe, le grand Diego va encore essayer de nous piquer des trucs. Hey, top la casquette, pile ma taille. Rends-la-moi, Diego. Hey, tu la veux? Tu la veux? Eh ben si, prends-la. Diego! Diego! La police! Prends cette casquette à Manu, illico, rapido, presto, cappuccino! Prends cette casquette ou je te dépressionne la tronche avec mon bazooka! Ouais, c'est bon, je la regardais juste, la casquette! Tiens, tiens, la voilà, mon pote! On est potes, hein! Et salut, hein! Et comment il s'est dégonflé du slip, le grand Diego, là? Je vais vous interroger sur la poésie « Maman est une fleur » que vous deviez apprendre pour aujourd'hui. Oh, j'ai complètement oublié d'apprendre. Titeuf, puisque tu bavardes, au tableau. Oh non. Allez, Titeuf. Maman est une fleur. Maman est une... Hein? Mais stop, Titeuf. Quoi? Mais tu aurais dû me prévenir que ta voix était enrouée, enfin. Tu ne dois plus parler, sinon tu risques de l'abîmer encore plus. Retourne à ta place. Je vais interroger quelqu'un d'autre. Eh, cette voix, elle est trop over-méga mortelle, en fait. Il a même fait peur au grand Diego. Trop facile avec cette voix, je peux faire tout ce que je veux, en fait. Ouais, tu peux faire chanteur d'opéra comme Luciano Pattatorotti. Trop fastoche en plus. Vous pouvez pas le faire, vous, avec vos voix de minus de slip. Ouais, bah, moi, c'est pas une voix de minus du slip, hein. Oh non, c'est vrai, toi, t'as une voix d'humidificateur de slip, en fait. C'est sûr qu'on peut faire des trucs encore plus déments. Ouais, mais quoi? La cantoche. Très bien, ce menu. Asperges à l'entrée, puis chou-fleur à la vapeur. Très bien. Merci, monsieur le directeur. Et, au revoir. Attendez, chef. Monsieur le directeur. Oui, mais ça va pas du tout, en fait, ce menu. Je veux que vous fassiez des frites. Plein de frites. Toutes les frites. Que des frites. Des frites, vous êtes sûr, monsieur le directeur? Ouais, vous discutez mes ordres. Je dis des frites. Oui, monsieur le directeur. Oui. Des frites, hein. Bon, ok, d'accord, monsieur le directeur. Des frites. Des frites, génial! Ah ouais, trop cool! Ouais, super des frites! Ouais, génial! Bravo, Titeuf, t'es le meilleur! Ah ouais, c'est cool! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez bourrer de graisse le corps de ces pauvres enfants? Mais c'est vous qui m'avez dit, monsieur le directeur. Des frites, c'est 5 fois par jour! Comme une mort! Mais qui a dit ça? Oh, mais c'était pas possible! Oh, c'était le meilleur repas de ma vie. Pour les frites, je sais pas comment t'as fait, mais merci, c'était trop bon, quoi. Ouais.
Si j'étais toi, je profiterais de ma nouvelle voix pour aller la draguer. C'est le moment. Tu crois? Bah ouais, il a raison. Une voix grave, les filles, elles peuvent pas résister. C'est viril. Viril? Mais oui, c'est comme si t'avais des poils dans la voix. Elle va craquer, c'est sûr. Ah ouais. Vous avez vu le concert de Kevin Lover à la télé? Oh, c'était génial, c'était tellement bien. Alors, les filles, ça gaz? Nadia, tu es ma princesse. Sans toi, baby, je suis plein de tristesse. Je suis comme un chien sans laisse. Oh, Nadia, 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 oh, Nadia. Oh, j'aime trop ta nouvelle voix, ça me fait des frissons dans le dos. Ouais, tu peux te frissonner le dos autant que tu veux. Nadia, Nadia, Nadia. Titeuf, la maîtresse m'a dit que t'avais mal à la gorge. J'ai un sirop qui va tout de suite agir. Non, non, elle est très bien ma voix, je veux pas la changer. Mais j'ai dit que j'en voulais pas. Qu'est-ce que... Oh non. Titeuf fait une voix de petite fille. Mais non, c'est pas vrai, j'ai pas une voix de fille. Genre la honte, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste.